Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous savez quoi? J'ai reçu une Fériloute. Trop bien. Alors celle-là c'est une normale. Elle arrive à un temps voulu. Voilà. Donc c'est parti pour le déboîtage de la Fériloute du mois d'avril. Voilà. Avril 2022. Celle de mars, j'allais dire, j'ai toujours pas de nouvelles, mais si en fait. J'ai des nouvelles, ils m'ont dit, oh lolo, je suis coiffée comme un as de pique. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, on vous en renvoie une, blablabla. Je dis, ok. Et ensuite, ils m'ont refait un mail en me disant, ah, we're so sorry, ah, on est trop désolé. Dans les goodies, on n'a plus une planche de stickers. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie quand même la box ou alors est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse? J'en ai à faire d'une. C'est pas grave quoi. C'est pas grave, de toute façon, les stickers, j'utilise pas forcément. Donc voilà. Alors, toujours le petit scotch pénible, hein. Petite bosse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette box? Oh, des gens qui font la guerre, on dirait. Alors, bittersweet, donc doux amer, ça veut dire donc April, voilà, attendez. Je vais pas regarder évidemment la spoiler card tout de suite, toujours les petits machins. Fut un temps, ils étaient roses, je crois, enfin violets, non? Au tout début que j'avais la Fériloute, il me semble qu'ils étaient mauves. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Ah! Je sais pas ce que c'est, mais le format, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vous explique après. Ah, oh, une petite panière! Alors, de Victoria Schwab. Alors, je pense que c'est en rapport avec La vie invisible d'Addie LaRue. Ouais, c'est ça. Alors, c'est trop bien. En effet, c'est un petit panier. Et en fait, juste avant de filmer cette vidéo, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je m'en couse un pour ranger mes épingles à linge. Voilà, j'aurais pas besoin. Mais il est bien. Voilà, c'est bien, il est bien. Il y a un tour en métal ici, rigide. Voilà, on peut le replier. Super, très bien. À l'intérieur, c'est plastifié. Donc, c'est bien pour le laver. Et bah écoutez, c'est génial. C'est génial parce que j'allais en fabriquer un pour mes épingles à linge. Donc, nickel. Ensuite, Hearts, Fairy Lights. Des lumières de fées en cœur. Oh, waouh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop chou! Regardez, c'est des cœurs et en fait, c'est une guirlande. Trop bien! Bah, je vais la mettre derrière. Pas là maintenant parce que voilà. Mais trop bien, je vais l'intégrer dans le fond, enfin derrière quoi, dans la bibliothèque. Oh, ils sont trop mignons! Ça fait tout des petits points. Oui, évidemment, ça va faire le focus, hein, comme d'hab. Mais, ah, c'est trop chou! Trop chou! Bah écoutez, c'est mignon comme tout. Maintenant, on va essayer de ranger, on va galérer. Voilà. Ensuite, ah, un petit plateau à thé. Je crois que c'est le troisième que je reçois, ça. Je sais plus. Donc, ça vient de Erin Morgenstern, enfin, de l'autrice Erin Morgenstern, The Night Circus. Voilà. Écoutez, il est mignon. On est dans des couleurs tout à fait noires et blanches, là, pour l'instant. C'est sympa. Il est joli. C'est bello. Ah, un goodies livre. Un goodies livre. An Arrow to the Moon. Il est magnifique. Oh, il est un peu abîmé. C'est pas grave. De Emily Exopan. Voilà. Donc, une flèche vers la lune. Regardez, avec du bleu comme ça, là. Magnifique. Magnifique. Il est très, très beau. Alors, je regardais de quoi ça s'agit. J'ai pas compris grand-chose. Il y a une histoire, il marque derrière. Reinterprétation, réinterprétation de Roméo et Juliette avec de la romance, de la magie et de la mythologie chinoise. J'ai pas tout à fait compris. Lui, Hunter, il est fort avec un arc et des flèches, tout ça, tout ça. Et Luna, je sais pas trop.
À voir. Pour l'instant, j'ai pas trop compris de quoi ça parle. Peut-être en le lisant, je vais comprendre. C'est dommage qu'il soit abîmé là. C'est dommage. Bon, je vais le recoller, hein, je pense. Hein. Je vais mettre un petit coup de colle bison. La colle bison, c'est ma vie. J'en mets partout. Ça colle super bien. Il est magnifique. Il est très très joli. On continue avec. Alors, il y a encore un goodies et ensuite c'est le livre. Ah, Strange the Dreamer Mothpin. Alors, je vais traduire tout de suite. C'est le faiseur de rêve. Et Mothpin, c'est un pins de papillon de nuit. Yeah. Oh, il est joli. Il est beau. Très jolie couleur. Voilà. Magnifique. Pardon. Donc, il est très beau. Il y a des paillettes et tout dedans. Là. Très joli. Très très joli. Je vais le mettre avec les autres sur le. Justement, le machin à pins qu'on avait une fois dans une Fairyloot. Super. Et on arrive au livre. Ah non, il y a les tarots. Trop bien. Ils sont beaux. L'empereur et la haute princesse. La grande princesse. Alors, oh, on est sur du blue. Ah, il y a tous les petits trucs dedans. Tous les petits trucs dedans. Hop. Alors, le Ferriscoop avec interview de l'auteur ou de l'autrice, j'ai pas encore vu, comme d'hab. Petit machin, c'est lettre de l'autrice. Donc, je vois Deborah File. Un marque-page. Et le roman. Oh, il est joli. Blood Sion. De Deborah Falaré. Toujours, voilà, les éditions dont on a l'habitude. Et il est très beau, hein, regardez. Bleu, rose, jaune, très joli. Et à l'intérieur, ah, il est donc dédicacé. Dédicacé au crayon, c'est pas une photocopie. À l'intérieur, en fait, on retrouve, tiens, c'est rare. C'est rare. On retrouve à l'intérieur, en fait, l'illustration de la couverture. C'est plutôt rare. À l'intérieur, oui, il est comme ça. Pardon. Ouais, sympa. C'est joli. Je regardais le résumé et je reviens tout de suite. Alors, c'est l'histoire de Sloane qui a 15 ans et elle peut brûler des gens par sa pensée. Voilà, elle est une Sion, une descendante de l'ancienne déesse Orisha. Non, des anciens dieux Orisha, pardon. Voilà, mais sous le gouvernement des Lucis, son identité veut dire sa mort, et sa mère le savait, et elle a disparu en essayant de cacher le secret de Sloane. Sloane a aussi caché ses pouvoirs, mais à son 15e anniversaire, elle est enrôlée dans l'armée des Lucis. Et du coup, elle peut pas trop concilier ça avec ses pouvoirs, etc. Voilà. Mais donc, elle va devoir quand même devenir le monstre qu'elle veut, qu'elle déteste. Voilà. À voir. À voir. Pourquoi pas? C'est sympa. Et en fait, ça peut rentrer carrément dans le challenge, dans le moi de la fantasy, en fait. Carrément, à la place de je sais plus lequel j'ai mis, mais voilà, où il y a du feu sur la couverture, déjà il y a du feu, enfin dans la catégorie feu, attendez, j'ai mon carnet là. Oui, un roman avec du feu ou du orange sur la couverture. Oh pardon, je bâille. Bah ça marche en fait, il y a du feu et du orange, et puis en plus ça parle de feu. Donc bah écoutez, pourquoi pas après tout? Et bah écoutez, c'est sympa, elle est sympa cette box. Ok, c'est cool, ça je suis trop contente. Je vais ranger mes épingles à linge. Oh, trop bien, je vais pouvoir en acheter d'autres en plus, pour pouvoir les mettre dedans. Trop bien. Bref, on a ça, on a la petite guirlande, on a aussi le petit machin là, on a aussi le pins, on a un bouquin, goodies. Voilà, on a le livre, on a les illustrations, le marque-page, on a aussi les tarots. Alors moi je garde pas les tarots, enfin je m'en sers comme marque-page en fait, je fais pas collection.
Parce que de toute façon, sinon il faudrait que je reprenne depuis le début, que je les trouve et tout. Enfin, non, voilà. Voilà. Même quand il y a eu des box françaises où il y avait des illustrations dedans, je n'en ai pas forcément l'utilité. À part ces deux-là, attendez, je me cale parce que vous voyez, moi, la latéralité, mais laisse tomber, quoi. À part ces deux-là hein, que j'avais eu dans. Non, la Fairy Tail, donc box française, etc. Je vous renvoie à la vidéo hein, si vous voulez la voir. Et qui sont magnifiques. Sinon, à part ça, moi, les illustrations, je les garde pas forcément. Quand c'est des trucs, voilà, faits à la chaîne, comme ça. Voilà. Bref, je me comprends. Je me comprends. Voilà, et ben écoutez, ça fait grave plaisir, comme d'hab. Et puis, regardez, tout est rentré. Tout est rentré dedans. Et ben voilà, ça fait plaisir et je pense que j'espère la semaine prochaine du coup pouvoir vous faire l'unboxing de la Fairy Loot de mars. Ce serait pas mal parce qu'en fait je vais l'arrêter la box. J'avais dit je le faisais un an. Je sais pas encore. J'ai encore quelques jours hein, pour me décider. Est-ce que je l'arrête là la dernière c'est celle d'avril. Est-ce que je fais encore celle du mois de mai comme ça aura fait en fait de mai à mai. Je sais pas encore, j'ai encore quelques jours là pour me décider. Et voilà. Mais bref, j'aimerais bien recevoir quand même celle du mois de mars. La boucle sera bouclée ainsi. Et puis voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être l'unboxing de la Fairy Loot de mars. Bisous!